les amis. Ça fait déjà une semaine que j'ai joué à Peppa Pig. Et maintenant, quand je sors, j'ai l'impression qu'elle me suit. On y va! Je suis pas tranquille. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un chez moi. Donc c'est pour ça que j'essaie de changer d'apparence, même si je sais que ça sert pas à grand-chose, mais... Arrêtez! Je sais qu'elle est là, je sais qu'elle est là. Non, pas de dinosaure, arrêtez! Bon, je pense que il nous reste qu'une seule solution à faire. Let's go! Salut la famille! J'espère que vous allez bien. Moi, bah ouais. Puisqu'on se retrouve sur la cinquième partie déjà de mon ami Peppa Pig. Et sans plus tarder, on va commencer. Il y a déjà une intro, alors c'est bon. Désolé. J'adore l'antenne de la maison. Franchement, elle est pas belle. Ils doivent capter la TNT! Il y a toujours mon dessin. Franchement. Eh, franchement, je suis vraiment son ami. Elle doit vraiment me porter au cœur pour mettre son dessin dans sa chambre. Mon dessin dans sa chambre. Alors, non. Je m'en Papy fous et ma de... mamie. Leur maison est un peu plus loin. Non. Continuons J'ai dit non, par c'est là. non. Alors, le ski... Oui. Je suis obligé de mémoriser les chemins, puisque c'est... La terre est ronde dans le jeu. Hein. Oh. Efficient. Un peu de cerveau lent, tiens. Ouais. Voilà. Elle est trop flippante, la meuf. Et ça se coupe direct. Putain. Imaginez, c'est le premier jeu que fait ton enfant. Qu'est-ce qu'il va devenir après? Je sais pas. En tout cas, ouais, il va défoncer des merdes sur Fortnite. J'aurais eu ça quand je... Ouais, ça aurait été mon premier jeu, moi. Ouais, je sais pas. Je serais devenu narcotrafiquant. Bonjour, Vous vous deux. allez voir Vous avez bien, vous l'air de amusez. bien vous Avec ses yeux amuser défoncés. ensemble. Moi, je veux faire la montgolfière. C'est une journée idéale pour Je admirer la sais. belle vue depuis la montgolfière. Oui, Allez, s'il vous let's plaît. go. Donc, je sais que la montgolfière m'emmène à la montagne blanche. Enfin, je commence même à connaître les noms, quoi. Ah, je m'amuse. Ah, je m'amuse de ouf, là. Bon, allez, là! Cette montgolfière, qu'est-ce que c'est long! Ça revient à un temps de chargement x3. Sauf qu'on peut faire la petite, là. J'imagine sur la Switch, il doit y avoir combien... Enfin, je sais combien il y a de touches, mais combien il y a de touches potentielles à utiliser sur la Switch? 3? Waouh! Est-ce qu'on peut jouer à deux? Peut-être qu'on pourrait prendre les Bah ouais, c'est ce qu'on va télésièges. faire. J'adore, elle parle dans le vide. Le télésiège, ah, eux ils ont pris là. Donc moi, c'est ici. Vous pourriez peut-être un peu parler, c'est un peu glacial comme ambiance. Ah, je suis drôle. Mais je veux Descendre la apprendre à montagne. skier, moi. Elle est là. Elle est là. Attendez, est-ce qu'il y a un truc par là-bas? Non? Il n'y a rien? D'accord. Bon, bah. Mais. Cela devrait C'est la vous même personne aller. que dans la montgolfière. Elle fait plusieurs métiers. Attention, ne descendez pas la pente J'adore trop la voix de la vite. double. J'aimerais bien savoir qui Amusez-vous c'est la voix de la bien. doubleuse. J'aime beaucoup. Si je peux la pécho, j'aimerais bien. Ah, sur espace, on peut prendre de la vitesse. D'accord. Wouh! Je m'éclate! Et là, on fait un looping! Non. Quoi? Attendez. Je faisais du ski, c'est eux qui sont descendus à ma place, là? Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Je comprends rien. Mais si je vais par là, du coup, c'est pas la même chose, puisque j'ai pris le télésiège. Donc c'est un autre chemin potentiel. Voilà, là, Peppa Pig, c'est trop dur. Ah! Oh! Oh! Elle encore, eh ben. Et voilà! Madame, je te pécho. Ça se trouve, elle a 50 piges. Amusez-vous bien! Essayez de ne rentrer dans personne. Ah bah, moi, j'aimerais bien quand même rentrer sur des gens. Ah, il y a mon frère en bas. Je suis pas tout seul. Il est marre. Il y a que ça qu'on peut faire. On va voir qui est le mais tu mais tu me pètes mais tu patines pas. Non mais en fait c'est que gauche droite. Bon. C'est tout. C'est tout. Il y a que ça. D'accord. Et là-bas, je peux pas y aller, je suppose. Je suis obligé d'explorer, hein. Vas-y, hein. Ah, voilà, quoi. Elden Ring. Elden Ring, je suis désolé, mais tu t'es fait dépasser par Peppa. On va voir qui est le plus... Mais ta gueule, on fait que marcher. Elle est obligée de... Elle me fout sous tension à chaque fois qu'elle parle. Jetons un coup d'œil. Mais on connaît la zone, il n'y a pas besoin de jeter un coup d'œil. Mais laisse-moi bouger. J'aurais bien aimé tacler là ceux qui font du ski. Bon bah du coup, on a exploré toute la montagne. Donc on est obligé de refaire de la montgolfière. C'est une journée idéale pour admirer la belle vue. Mais je sais. Mais donc c'est, on est d'accord, c'est la même personne là pour le ski, pour la montgolfière et pour le patin à glace. Elle est en train de bugger. Je te fais bugger, hein. Est-ce qu'il y a des glitches dans le jeu? Le back... Back Peppa long jump, un truc comme ça. Okay. Voilà, c'est la partie la plus fun de la vidéo pour le moment. Bon, mais Patata Park, je suis désolé, mais il faut que j'accrie... Je sais pas. Comment faire? Que je sais qu'à la télé, je viens de penser à un truc. La oui, forêt. Bien, Peppa. Là-bas, c'est le camping. Et on va chanter, donc j'ai pas envie de chanter. La bicyclette, on l'a déjà fait, c'est bon. C'est bon. On va pas refaire les trucs qu'on a déjà fait, quand même. La daronne flippante. Donc là normalement c'est la maison. Waouh, le temps de chargement là. Maison de Peppa. Ça en fait ça quand même ils auraient pu me mettre. Rentrez. Ils auraient. On ne me coupe pas la parole. Ils auraient pu ne mettre qu'une seule fois, quoi. Je veux dire, c'est bon. Même quand t'es petit, tu sais que c'est sa maison, quoi. C'est bon. C'est mon papa. Et si on allait lui dire si bonjour? Vous avez remarqué qu'il coupe avec une seule main. Il n'a même pas besoin de tenir le légume. Il est tellement fort. Donc, hey, mais il est où, Georges? Il est pas là, Georges. Oh! Non! C'est la quête du début. Dinosaure. Qu'est-ce qu'il y a, Georges? Tu as perdu Monsieur Dinosaure? Ne t'en fais pas, il ne peut pas être loin. Mais il est dehors, on sait où il est. Georges et Peppa ont besoin de toi pour retrouver Monsieur Dinosaure. Il doit être où il est. Ici. On va le trouver. On est doués voilà, pour là, ça. Voilà, c'est peur quand elle dit ça. Mais moi, je voulais regarder la télé. Oui, patate, moi. Tu aimes, oui. Monsieur Patate? Peppa, oui. Allons par là. D'accord, je peux. Mais c'est quoi, ça? Ah, mais je peux changer de chaîne. C'est trop bizarre. Hé, hey, ça se trouve, il y a du bateau à faire. C'est quoi, ce truc sur la télé? Allons par là. Ça se trouve, c'est des genres des easter eggs, des épisodes, un truc comme ça.
Mais je soupçonne de pouvoir faire du bateau. Dinosaure. Et où? Je le vois. Il est coincé dans cet arbre, près de la flaque de boue. Essayons de le décrocher. On dirait que Monsieur Dinosaure est bien trop haut dans l'arbre. Peut-être qu'il faut quelqu'un de plus grand. Mais qui? Ça sert à rien. Mais si, ça sert à quelque chose. Mais c'est qui quelqu'un de plus grand? Il faut faire la quête, hein. Je suis désolé, moi je veux. Ah! Le dinosaure de George est coincé dans l'arbre. On peut pas l'attraper. Il va prendre son couteau. Coincé dans l'arbre? C'est vrai ça. Comment il a battu là-haut, sachant qu'il est trop petit? Il l'a balancé. En fait, George, c'est l'antagoniste, je pense, du jeu vidéo gaming de Peppa Pig. Déjà qu'il a cherché à nous bouffer dans le musée. Plutôt que d'essayer de l'atteindre, on pourrait essayer. Non mais attends, je suis désolé, mais t'es à sa hauteur. Mais comment on va faire ça, papa? Il peut. Il peut juste souffler avec son groin. Eh bien, je suis expert en ce genre de choses. Putain, il a secoué l'arbre. Tout ça. C'est ce que je voulais faire. Ça a marché. Merci, papa. J'ignorais que les dinosaures pouvaient grimper. C'est normal, t'es pas de la même époque. Donc. Bravo. George a récupéré Monsieur Dinosaure. Et tout le monde. Tout ce que je viens de faire avec cette quête, ça aurait pu se résumer à. Paf. Bon, du coup, est-ce que j'ai débloqué quelque chose? Bah, je sais pas. Moi, je veux pas tatapar, bordel de merde. C'est super, Peppa. En résumé, je m'en bats les couilles, Peppa. Laisse-moi faire ma salade pour la vie. Tu fais quoi, George? Dinosaure. Alors, la télé est restée bloquée sur la chaîne que j'ai mis. Ah là, j'ai éteint. Là, c'est patate. Là, c'est voiture. Non, non. Super. Peut-être que papa va nous emmener en balade. Attendez. Je suis en train de réfléchir à un truc là. Il y a bateau. Est-ce qu'elle dit quelque chose d'autre? J'adore la mer. On devrait aller à la plage un jour. Papy et mamie. Mamie et papy. Donc c'est comme ça. D'accord. Et si on leur donc attendez, moi je veux pas ça. Moi je veux. Donc ça, en gros, ça représente le musée. Ça, c'est la télé éteinte. C'est nul de rester ta gueule planté là. Voilà. Super patate. Il a le pouvoir des j'aurais légumes. J'aurais dû y aller. Tu es déjà allé à Patata Park? Je on fait comment? Rêve d'y aller. Je veux y aller, moi. Maman. Allons pas. Mais tu peux pas aller dans 36 000 endroits. Non, moi, à force qu'on se connaît, et oh. C'est tout. Moi, je dis. Et si on allait voir. Non, je m'en fous, franchement, je les supporte pas. Leur maison est un peu plus loin. Continuons. Non, non, moi, je veux. On prend la voiture. On a regardé Patate. Est-ce que ça nous ferait pas déclencher l'événement de Patata Park? Oh, on n'a pas eu le salut de la famille. La route a été réparée depuis. La route a été réparée. J'adore son sourire. Moi, je fais le même quand je suis dehors. Non, c'est pas là que je veux aller. Je sais pas comment aller à Patata Park, moi. La halte garderie. La quête de Patata Park est très difficile à débloquer, hein. Te voilà à la halte. Non, mais c'est bon, on l'a fait la dernière fois. Un endroit où tu peux apprendre et jouer avec Peppa et ses amis. Il faut que je réfléchisse. Il y a quelque chose par là? Non. Parce que là, lui, il nous emmène au musée. Je crois. Encore Madame Rabbit, multifonctionnaire. Ah non, non, non! Non! Bonjour, monsieur.
Monsieur Boule, que se passe-t-il ici? Salut la famille! Salut les gens! Les gens! Des réparations sur la route! Non mais ta gueule! Qu'est-il arrivé à l'ancienne route? Des racines d'arbres ont créé quelques bosses. C'était dangereux mais... de passer. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur Rhinocéros. Je le couperai au montage. Allons nous en occuper. Oh, on ne vous retardera pas plus. Vous devez être occupé. Oh, est-ce qu'on mais peut oui, passer? T'inquiète. Oh, 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 oui, vous pouvez passer sur le côté de la route. Faites attention. Oui, putain, les dialogues qui se coupent là. Au revoir, monsieur Boule. Au revoir, monsieur Rhinocéros. Merci d'avoir réparé la route. Il fait que bouger des cailloux en plus. Voilà. Donc là, c'est le musée. Moi, je veux Patate Park. Comment on fait, purée? Je regarderai pas de tuto. Là, il y a une voiture. Le musée. Ça, on l'a pas pris. La musique. Je me sens... Donc, on va dire, on s'en bat les couilles du musée. Et on va prendre la voiture. Voilà, il y a eu un truc. Il y a des bugs dans le jeu parfois. La vitesse en plus, elle est réduite. Ouais, mais très réduite même. Oh là, si j'appuie sur espace, ça va beaucoup plus vite. D'accord. Attends, si j'appuie sur espace, ça devient Mario Kart. Là, normalement, ça devrait être un nouveau coin. Hein, Peppa? On est retourné à la maison. Maison de Peppa. Comment on fait pour aller à Patata Park? Rentrez. Je veux aller à Patata Park. Comment on fait? Comment on fait? Je vais me suicider dans la boue, moi. Je vais aller à Patata Park. Patata Park, t'es où? Je vais aller voir... Non, parce que... Non. Parce que si je vais voir papy, il va me proposer d'aller dans sa cabane. J'ai déjà fait l'expérience, donc... Comment on fait, purée? Mais je ne sais pas. Oui, ça, non, mais c'est bon. Non. Maison des grands-parents. Maison de mamie. Papy, mamie, vite. Mais je sais. Maison de ma mamie et de mon papy. Papy est toujours dans le jardin. Et prends ma mamie soin des poules. Prend soin des poules. Voici la maison oui, de sais. Mamie et Papy Pig. Peppa s'amuse toujours beaucoup. Tu m'étonnes, elle va dans la cabane. J'ai remarqué un truc. Polly, le perroquet, imite... Essaye de sauter. Et si tu essayais de sauter ou de sauter. Faire un bruit. Oh, je peux sauter sur espace. Oh non, la on l'a déjà fait, ça. Elle doit avoir faim. Comment on fait? Et si on allait chercher de quoi remplir sa oui, t'inquiète. Qu'est-ce que ça... Ok, je peux m'asseoir. Ok. Il faut faire des trucs, hein. On n'a pas le choix. Tiens, mange. Regarde, mange les Kellogg's. Voilà à manger. Ça te donnera de l'énergie pour sauter et gazouiller. Ah, c'est très bon. Je crois que c'est le meilleur personnage du jeu. Il est trop beau. Franchement, moi, j'adore. J'adore son œil. Ici. Tiens. Ah non, ça allume. Mais il y a bien quelque chose à faire. Est-ce que je peux lui redonner à manger? Non, on ne peut plus rien interagir avec ça. Putain, Patata Park, ça devient... C'est la misère pour y aller. On va prendre la voiture, hein. Espace. J'adore la vitesse, c'est trop bien. Bon bah, Patata Park, ce sera pas pour aujourd'hui, hein. Il va falloir faire un sixième let's play pour atteindre notre objectif.
Parce que oui, la vidéo, elle s'arrêtera. Hein. La plage. La plage, c'est là où j'avais trouvé les trésors. On y est. Mais, papy, mamie, où est papy? Je t'ai déjà dit, on est à Nice. Eh bien, c'est une plage de rochers. Donc, à la place du sable, il y a plein de cailloux. Oh, on voulait faire des châteaux de sable. T'inquiète. T'en fais pas. Il y a plein il y a de choses. Plein de choses. J'arrive trop bien à faire sa voix, vous trouvez pas? Regarde autour de toi. Je suis Papy Pig, dis-moi. C'est rigolo de regarder ce qu'il y a dedans. C'est rigolo de regarder ce qu'il y a dedans. C'est vrai. Dans quoi? Quand dans la quoi se retire, elle laisse toujours quelque chose de spécial dans les points d'eau. Oui, on sait. Beaucoup de déchets. Quel genre de choses? Du pétrole. Et si vous alliez regarder tous les deux? Vous pourrez mettre dans le seau tout ce que vous pouvez trouver. Désolé. Va voir dans les points d'eau. Il n'y a pas les points. Et montre à Mamie et Papy Pig ce que à tu vois. À moins que... J'adore parce qu'on entend des enfants crier. Bon alors, la dernière fois on a trouvé une pièce d'or, donc là ça va être la même chose. De la moula. J'ai trouvé quelque chose qui brille. Waouh. C'est une pièce. Peut-être qu'elle appartenait à un pirate. Mais le pirate, il l'a volé. Hein. C'est un pirate. J'adore. Vu que pirate, c'est pour voler. On va faire des cours d'histoire. Hé, hey, j'ai trouvé un crabe. T'as rien trouvé, tu fermes ta gueule. Les crabes. Adore se cacher dans les points d'eau. Faites attention à ne pas vous faire pincer les doigts. Oh non, ne fais pas le... Vide un crabe. Une espèce de teubé. Ah oui, là, c'est là où j'avais prédit qu'on peut... Il est très gros. Tu savais que si tu mets le coquillage non près de l'oreille, tu peux entendre la mer. C'est vrai. Waouh. Félicitations. Tu as tout trouvé le dans les points palais. D'eau. Et tu as appris plein de choses sur les plages de rochers. C'est tout. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Mais si je vais par là, qu'est-ce qu'il y a? Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est? Je suis désolé, mais c'est du sable. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Attendez. On l'a pas eu, ça! Maman, papa, vous êtes là! On a débloqué un nouveau truc! Vous étiez bien avec Mamie et Papy Pig? Oui, mais on était pas avec... Oui, on était avec Papy. Très bien! Et si on allait chercher un endroit... Mais oui, je veux! ...sur la plage? C'est mais du coup, c'est pas une plage à galets, bande de cons! Oh, bah putain, il a pas été très... Ah non, elle s'endort! T'endors pas, Peppa! Non! Il faut qu'on finisse ça. Ah, vous voilà. Je viens d'interagir avec l'action qui fait que Peppa a envie de dormir et en même temps celle du pique-nique que je voulais faire. Non, on se retrouve à dormir. Non. D'accord. Oh putain, il fait flipper. C'est tout? La déception. Space. Et il fait jour, je suppose. À moins qu'il va... Il va peut-être se passer... Ah non, il fait jour. Putain, mais moi le pique-nique et tout là! Viens avec moi! Déjà? T'as pas un petit café pour moi? Bon, ben les amis, on a loupé l'animation là du pique-nique. On le refera sûrement la prochaine fois. Je pense pas qu'il va se passer un truc là. On a déjà tout fait. Non, bah désolé les amis. Donc c'est nul de rester planté là. Allons jouer. Ah. Donc
il y aura une sixième et une dernière partie où on trouvera Patata Park. Et je pense que ce Patata Park conclura ce let's play. Ta gueule ! Je parle ! Donc les amis, je ne vous laisse pas plus longtemps sur ce let's play. Moi aussi j'ai besoin. Non, on n'y va pas. Si, on y va au final. Je vous dis à une prochaine sur le monde divin. Et amusez-vous bien à regarder tous les let's play. Et à la prochaine pour le dernier. Bisous.